J'avoue que j'attendais certaines choses de cette expérience, mais elle était au-delà, enfin, les résultats sont au-delà de ce que j'attendais, à savoir l'apprentissage de soi-même avec l'aide des chevaux. Et puis, c'est tellement fort en termes d'expérience qu'on peut très très vite transposer en fait ce qu'on ressent avec le cheval dans sa vie, je dirais, de tous les jours, à savoir personnelle ou professionnelle. Ce qui me permet beaucoup, enfin moi, qui m'a permis beaucoup d'apprendre sur moi, de voir quels seraient les changements que je pourrais faire avec moi-même. Et ça se passe dans un cadre très très agréable, avec des personnes très sympathiques et avec un animal qu'on côtoie très peu mais qui nous apporte beaucoup. En fait, on est venu en équipe, on a réussi à améliorer en fait cet esprit d'équipe, à se connaître un peu plus les uns les autres. Et également personnellement, il y a un gros travail qui nous fait découvrir voilà, un peu plus de soi. Et avec le cheval, il faut être calme, que je canalise mon énergie quand j'aborde quelqu'un pour pouvoir lui parler calmement, pour pas que la personne déjà se mette en stress si on l'aborde avec vivacité. Je n'ai jamais eu aucun échange avec le monde des chevaux. J'ai trouvé les sensations très enrichissantes et je pense que ça va aider à la maîtrise de mes émotions dans le milieu professionnel. J'ai découvert à travers ces exercices d'approche que ça traduisait beaucoup de choses sur notre propre personnalité et sur notre approche vis-à-vis des autres. Et donc, mine de rien, ces exercices m'ont permis de voir les points à améliorer pour mieux travailler avec mes collègues de l'équipe de direction. J'ai beaucoup apprécié cette formation car j'ai découvert le monde du cheval et aussi j'ai découvert des choses sur moi-même, mes points faibles, mes points forts, et maintenant je sais sur quel aspect travailler pour améliorer mon management.